Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier. Je suis très 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 heureuse car j'ai reçu le livre La Grande Bible des Fées que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Et donc j'attendais de faire la vidéo pour pouvoir partager ça avec vous. Donc je vais ouvrir le colis. Tac. Je suis vraiment super excitée. Donc voilà, il arrive sous blister apparemment. Voilà, déjà la couverture, elle envoie du lourd. Franchement. Alors, je vais prendre un ciseau pour couper ça. Hop là. Et comme j'ai pas d'ongles, ça va être compliqué à ouvrir. Voilà, j'ai réussi. Voilà. Excusez-moi, la caméra doit bouger. J'ai mon chat qui est super contente. Ma Minette est super contente parce que il y a un nouveau carton. Regardez comme la couverture est magnifique. Mais vraiment magnifique. Il est très très grand. Les tranches sont neutres. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Créature merveilleuse, d'apparence féminine, dotée de pouvoirs surnaturels et généralement bienveillante. Les fées ont la faculté d'exaucer les vœux des mortels et de les protéger. Mais la mystérieuse histoire du peuple des fées ne s'arrête pas là. Ces êtres de lumière ont une genèse, des rites précis, une religion, des fêtes communautaires, une histoire du costume, des légendes en pagaille, une œuvre littéraire et musicale importante. Elles écrivent, entre autres, de la poésie. Cet ouvrage rassemble en 6 livres le livre des origines, le livre historique, le livre poétique, le livre des prophétesses, le Nouveau Testament des fées et l'Apocalypse des fées, pardon, l'essentiel de leur vie et de leur savoir. Écrite par l'un des plus grands spécialistes français de la féerie et illustrée par 4 dessinateurs de talent, Sandrine Gestin, David Thierret, Amandine Labarre et Alain-Marc Friez. Cette grande Bible des fées est destinée à tous les amoureux du merveilleux et de ses plus belles incarnations. Alors, Édouard Brasset est l'auteur de plus de 80 ouvrages consacrés au monde de la féerie et du merveilleux, dont plusieurs ont été récompensés par des prix et traduits à l'étranger. Il a notamment écrit le guide de l'apprentie sorcière et le guide de la sorcière sacrée, paru chez Hors Collection. Il est au prix de 32 €, donc que je trouve pas cher pour la beauté du jeu, quoi. Du jeu. Je suis tellement enthousiaste que je me trompe dans mes mots. Pour la beauté du livre. Mais en même temps, je suis tellement habituée à présenter des jeux. Vous voyez, je vous montre en grand plan. Parce que j'ai pas une caméra non plus de ouf. Donc, ouais. Ça va pas être évident d'ailleurs pour vous montrer les pages comme ça. Toc. Donc, on va l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me disais que ça n'allait pas être évident avec mon trépied. C'est bien ce que je pensais. Hop. Toc, toc. Ouais, non, c'est pas la bonne stratégie. Alors, c'est parti. On a une petite citation. Chaque fois qu'un enfant dit « Je ne crois pas aux fées », il y en a une quelque part qui tombe morte. James Matthew Barry Peter Pan.
Une bonne fée est une fée de bonne humeur, et une mauvaise fée est une fée qu'on en a offensée. Catherine, bah comme mon prénom d'ailleurs, sauf que c'est un quinca là. Bring, Catherine Bring, The Fairy in Tradition. Et littérature. Donc voilà. Alors, je suis vraiment, vraiment désolée pour la caméra. C'est vraiment pas top top, et j'ai mon trépied qui déconne. Mais ça n'empêche qu'on va quand même pouvoir profiter de ce beau bouquin. Alors, les illustrations de la fameuse Sandrine Gestin, qui a fait pas mal de choses. Elle a fait Le Temps des Fées, je crois bien. Elle a fait aussi Rêverie de Fées, il me semble. Donc voilà. Et donc, il est de Édouard Brassé, comme je le disais tout à l'heure. Donc, illustration, mais il n'y a pas que Sandrine, il y a Amandine Labarre, comme je disais tout à l'heure, Alain Marc et David. Et regardez déjà, ça commence. Ça commence. Et en fait, là, il est de couleur bleu-gris. Et regardez, il y a la calligraphie, c'est vraiment waouh. Il est somptueux. Je vais encore reculer un peu le trépied. Qui veut pas se reculer pour que vous profitiez pleinement des deux pages. Donc là, on a un poème en fait. Comment se rend-on au royaume des fées? Ah, je suis très heureuse, franchement, de découvrir tout ça avec vous. Vous ne pouvez pas savoir. Sauf mon problème de trépied, bien sûr. Parce que, en fait, il est lourd, en fait. Il est lourd et c'est un peu compliqué. Donc, je suis désolée si vous ne voyez pas les écritures. Mais je vais vous lire les choses. Donc là, nous avons les livres, pardon, des origines. Donc, il y a différents chapitres, en fait. Alors, combien il y en a? Ouais, on a 9 chapitres sur les... Non, je fais une erreur. En fait, il y en a 5. Et après, on passe aux livres historiques, chroniques et légendes. Et donc là, il y en a 4. Après, on passe aux livres poétiques. Et là, il y a 3 chapitres. Après, le livre des prophétesses. J'ai beaucoup la langue qui fourche aujourd'hui. Mais je suis tellement émue en même temps de recevoir ce magnifique livre. Alors, on a le Nouveau Testament des Fées avec 5 chapitres. L'Apocalypse. Vous voyez, l'Apocalypse des Fées, épilogue, bibliographie et la magnifique fée. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, c'est pas mon style d'illustration préféré. Donc là, on nous parle de l'histoire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La naissance des fées. C'est tout simplement magnifique. C'est magnifique. Je regardais s'il n'y avait pas de corne, parce que je suis tellement maniaque avec mes bouquins. Ça me rappelle un livre de fées que je vous ai présenté où j'étais tout le temps obligée de bouger le livre pour que vous voyez. Ouais, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Vraiment magnifique. L'origine des fées. Les fatas romaines ou les fées du destin. C'est magnifique. Les fées celtiques. Les fées scandinaves. Les fées médiévales. Il y en a, voilà. Alors, la chapitre 2, la communauté des fées. Regardez comme c'est beau. La petite société des fées. Waouh. Alors là, les corps de fées. Je vais peut-être pas tout vous lire parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir retenir. Je vais quand même vous lire certaines choses, mais pas tout, tout, tout. Parce que bon, la maison des fées, les menus services des fées.
Les fées fileuses, les fées lavandières. Enfin, je vous dis que je vous lis pas tout, mais c'est ce que je suis en train de faire. Les bains des fées, parce que ça me semble tellement intéressant. J'aimerais tellement qu'on puisse voir le livre entièrement. Les fontaines aux fées, regardez comme c'est beau. Ça fait un peu style ancien. Écriture ancienne, j'aime beaucoup. Vraiment très beau. L'effet du foyer. L'effet des houles. On a beaucoup, beaucoup de lectures et ça, je suis trop contente. À la table des fées, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Regardez comme c'est beau. Franchement, waouh, je pense qu'il y en a qui vont craquer. L'effet boulangère. Moi, je l'ai commandé à la Fnac. Le repas des fées. Les ustensiles des fées. Recette de cocktail féerique. L'élixir des fées. Les ingrédients, la recette. Super intéressant. J'ai toujours l'impression de sauter deux pages alors que non. Donc là, on nous explique les différentes recettes. Les pages sont vraiment épaisses. Les danses des fées. Et puis il y a tous ces motifs autour, là, j'adore. Je sais pas comment on dit ça. J'ai envie de dire arabesque, mais je ne crois pas que c'est ça. Alors, nous avons la danse des korrigans, les cercles de fées, les danses des fées de sable, avec un magnifique dessin. Chapitre 3. Et on a aussi un petit ruban qui s'est mis à une certaine page. Les îles enchantées, Avalon, les forêts magiques, les terres d'Irlande. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Bon, je vais peut-être pas tout vous dire hein, parce que. Si vous n'allez pas retenir, ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Chapitre 4, les reines, loi et constitution politique. Enfin, vous pouvez retenir des trois trucs, mais voilà quoi, c'est pas. Je vais vous lire les chapitres dans lesquels j'arrive comme ça. Alors, chapitre 5, les croyances. C'est magnifique, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. L'âme des fées. Waouh. On en prend plein la vue, honnêtement. Waouh. Alors, c'est volontaire que je ne lis pas les titres parce que, du coup, déjà, je vous laisse profiter des illustrations qui sont vraiment waouh. Vraiment très belle. Donc là, on arrive sur l'historique, chronique et légende. Donc là, on repart au chapitre 1, on change de partie. Les fées marraines. Regardez comme c'est mignon. Donc, les fées marraines, il y a de quoi lire. Après, nous avons les fées amoureuses. Ça m'inspire. J'allais dire, les images doivent être belles. Doivent être belles. Et là, on arrive déjà au chapitre 3. Bon, ça, c'est sympa, mais j'aime un peu moins par rapport aux autres illustrations. Mais ce n'est que mon goût à moi. Magnifique. Vraiment magnifique. Ouais, c'est vraiment. Je vais me répéter en disant que c'est beau, mais franchement, en même temps, c'est vrai que c'est très beau. Puis je le découvre en même temps que vous, ce qui est génial aussi pour vous comme pour moi. Alors, le chapitre 4, l'effet animal.
trop mignon. Des chats avec ses chatons. Une chatte avec ses chatons. Et les chatons ont des ailes. Alors ça, c'est trop original. Bonne idée, quoi. J'espère que vous voyez bien. Donc, si je me rappelle, on est au chapitre 3. On était au chapitre... Ah non, 4. 4. Et là, on entame une nouvelle partie. Donc, au chapitre 1, le calendrier magique des fées. Donc, en fait, il n'y a pas tout le temps le même nombre de chapitres. Tout simplement. Le calendrier magique des fées. Alors là, on a une magnifique fée. Waouh! Pour justement chaque mois. Bah, d'ailleurs, ça commence à partir de février, mais bon, il y a janvier. Ils l'ont enlevé, peut-être qu'on peut... Ouais, je sais pas. Mars. Peut-être que ça va jusqu'au janvier après. Donc ça sera le dernier mois. Très, très beau. Ah, tiens, il n'y a pas tous les mois en fait. Mars, mai. En fait, ça doit être par rapport à des... Avec l'histoire, je crois. L'année féerique est ponctuée par 9 grandes dates magiques. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. À l'occasion de quelles des fées organisent des sabbats. Voilà, c'est des dates particulières pour les fées. Ouais, je me disais aussi que c'était pas logique. Hop là, alors, voyez comme c'est beau. Franchement, pour 32 euros, il en vaut la peine, quoi. Il en vaut vraiment la peine. Moi, je suis très très heureuse de l'avoir. Je l'attendais depuis longtemps et franchement, je regrette pas du tout. Il est somptueux. Et encore, il est encore plus beau en vrai que là, on est au chapitre 2, que l'effet du zodiaque. Plus beau en vrai que par vidéo, je trouve. Je jette un coup d'œil entre deux et c'est vraiment plus agréable de l'avoir en vrai, c'est clair. Donc là, bah, il y a l'effet des différents signes. Hop, mais je vous laisse profiter des images. En même temps, je papote. Je vous aurais bien mis une petite musique. Mais bon. Peut-être la prochaine fois, peut-être je mettrai de la musique au moment que je montre. Mon livre, ce serait super sympa. Oh, des licornes. Waouh. Ce livre est vraiment très beau. Alors là, on passe le livre des prophétesses. On n'a pas forcément une illustration à chaque fois qu'on tourne une page. Mais par contre, quand on en a une, on en prend plein la vue, quoi. C'est vraiment... Vous voyez, paf. Voyez comme c'est magique. Alors, la Genèse des fées, chapitre 1. Et nous avons le petit ruban qui est là, qui est très discret. Je l'avais même pas vu. Donc voilà. Et je vais le rentrer parce que je sens que ma minette autrement va jouer avec.
Parce que vous savez, les chats aiment bien tout ce qui bouge. Mais là, elle est sage. C'est vraiment magnifique. Chapitre 3, l'évangile selon Mélusine. Et le chapitre 2, c'était l'évangile selon Titania. C'est très très beau. Waouh. Magnifique. Chapitre 4, l'évangile selon Viviane. Regardez comme c'est beau. Vraiment. On fait penser à Merlin. C'est super beau. Ça me fait penser à une carte, mais je ne sais plus de quel jeu. Et je sais que c'est une carte d'un jeu. Mais je sais plus lequel. J'ai déjà tellement de jeux. C'est. Elle est un peu flippante, celle-là. Ah, ouais, c'est beau, ça. Il y a une personne. On dirait qu'elle est en train de prier. Il y a plein de toutes petites fées partout. Je suis désolée si c'est un peu lumineux à cause de ma fenêtre. On a la chance d'avoir un peu d'éclaircie. On a un épilogue. Franchement, ce livre est une pépite. Donc voilà, bah j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, j'ai été très très heureuse de partager ça avec vous. C'est un livre magnifique, franchement. Et là, un petit peu, je sais pas si je vous ai pas montré ici. En fait, c'était ça qui était le plus intéressant au niveau des contours. Donc, la grande Bible des fées avec cette calligraphie, un livre très très gros, très très lourd. Je crois qu'il est même encore plus lourd que le grimoire que je vous ai présenté précédemment. Donc, voilà. Donc, franchement, voilà, beaucoup beaucoup de lecture. Moi, ça me plaît beaucoup quand il y a de la lecture. Des illustrations à tomber, franchement magnifique. Et je trouve qu'il vaut vraiment les 32 euros parce que c'est un livre vraiment magnifique. Et aussi au toucher, il est agréable. Il a un côté un peu velouté. Et puis là, c'est un peu plus. Je sais pas comment dire, mais c'est très très agréable. Donc voilà, et ben écoutez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai été ravie de vous présenter ce magnifique livre. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt. Bisous!